J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog avec ma voiture qui se rallume toute seule. Et je ne suis pas seule dans ce vlog aujourd'hui puisque c'est un vlog spécial shopping en Belgique. Et nous sommes donc en Belgique, près de chez Ella. On va aller la voir dans 5 minutes. Et je suis avec une fille très expressive aujourd'hui qui est ravie d'être dans ma vidéo, Lily du Instagram Lily Auré. Je vous en parle tout le temps dans mes vidéos, elle est là en chair et en os, vous la voyez, et je vous invite à aller la découvrir sur Insta. Et mais ce n'est pas tout, je suis aussi avec Emma de la chaîne Emma Cup ou Emma Makeup. Emma Cup. Emma Cup Instagram. Pareil. Pareil, voilà, elle a tout simplifié parce que c'est vrai qu'on commençait à s'y perdre dans tout ce, oui, son pseudo. Donc on est toutes les trois venues voir Ella pour aller faire du shopping puisque les soldes ont officiellement commencé en Belgique, je crois, le 1er août, le non, un truc comme il y a ça. Pas longtemps. En tout cas, là, il n'y a pas très longtemps. Donc on va aller voir Ella, profiter d'elle et s'amuser, faire un tour à Krudvat, tout ça, tout ça. Vous allez suivre tout ça avec nous aujourd'hui et je pense qu'on vous montrera nos trouvailles d'ici ce soir. On va essayer de voir ça. Let's go! Coucou! Et nous voici arrivés chez Ella! Tu fais un coucou, Lara? Et là, Ella, elle a préparé un petit gros swap, mais un peu surprise, on va dire, pour notre petite Lily! Donc, on va pouvoir regarder un peu ce qu'elle lui a préparé. Pour mon anniversaire! Elle m'a envoyé un colis de malade. D'ailleurs, il est toujours là derrière le fauteuil pour faire la vidéo parce que... Tu l'as toujours pas faite? Non, pas toujours. Donc vous verrez la vidéo un jour sur sa chaîne, quand elle aura décidé. Non, parce qu'il faut absolument que je vous montre ça. Du coup, j'ai voulu lui faire un petit cadeau. Et en plus, elle vient chez moi. Un petit cadeau. Voilà. Un petit cadeau. Allez, let's go, Alain. Waouh, regardez. Avec plein de petits cœurs. Ça, c'est Lara qui a fait pleurer. Ça, on va dire que c'était maman. Ça, on va dire que c'était... Ah oui, j'ai regardé, tu vois, l'emballage avec les trois filles. Ah ouais, c'est trop nous. Bon, c'est vrai que c'est toi la plus noire. Hein. Ouais. Donc, et la plus... Bah là, c'est qui la blonde alors? C'est elle ou c'est moi? On va dire c'est toi. Mais moi, je suis la brune alors. Alors déjà, Layla lui a offert plein de cochonneries là. Pour mes fesses. Elle va se régaler de chocolat belge. Et maintenant... Mais 40! Ouais, là, ça c'est là. Elle met un paquet, 50 trucs. Déjà qu'il y en a là encore. Mais qu'est 50? Il y en a même pas. Des pétards. Oh, pétards, je les ai vus passer sur la chaîne. Pétard. Ça c'est l'expression du sud. Pétard. Non, non, c'est pire chez nous, mais je me contiens. J'adore, je me contiens. Oh, bling, ouais. Bling, ça sent bon. Ah, oui, cela. Oh, c'est de la paille. Ah, oui. Comme elle dirait, ah, la, oui, la gueule. Oh non, je connais pas. Ben, je connais pas. Tu l'as pris aussi où? À Croix de Bateau? Je connais pas, attends. Ouais, fais ta YouTube. Alors, moi, ça sent bon? Ça sent bon et ça sent, ah, oui, paillettes, hein. Oui. Priez de mille feux. Je vais illuminer la Belgique. Voilà. Ça, c'est sûr. Déjà, tu vas illuminer avec ton accent du sud. Ouais. Pas, on adore. Si, tu l'as là. J'ai jamais testé. Il y a des trucs que tu as jamais testé là. C'est quoi, c'est quoi parce que j'ai écrit? J'ai jamais testé. Genre, il y a des trucs que tu as jamais testé. Comment c'est possible là? Il y en a. Ouais, mais toi, ta wishlist, t'as pas voulu me la donner. Mais j'ai pas de wishlist. Non, elle n'a pas. À chaque fois, je galère moi avec elle. Q10, vitamine C. Ah, la crème pour les yeux, c'est mon produit préféré. Ah, mais c'est la même gamme que je t'avais pas offert là, hein. Je pense que c'est. Ah, oui, peut-être. Je pense que c'est... Ce... Ouais. Shampoing volume de chez Krudvat. Fin et fatigué. Oh, tout fatigué, moi, tu m'as compris, tu m'as dominé. Une eau micellaire hydratante qui enlève le maquillage. Donc ça, Krudvat aussi? Ouais. Krudvat, c'est la vie, Krudvat. C'était si gros. Ouais. On continue, donc, alors, elle a eu la collection Krudvat noix de cocotte. Noix de cocotte. Qui est trop bien. Elle a eu... C'est quoi? C'est un enluminaire? Ouais, eh oui, le plus gros que ma tête. Ah ouais. Pour le corps et le visage. Mais tu me l'as demandé. Sungaz. Je l'ai mis dans la boîte. Eh oui, c'est vrai, je m'en rappelais plus. Mais c'est quelle marque déjà? Catrice. Ah ouais. Ah ouais, elle est en repérage aussi. Mais je l'avais repérée. Tu l'avais repérée. Et regardez, elle a eu ça aussi. Des trucs de fou que je regarde pas tout ça. Ça, c'est trop bien, ça. Et ça, c'est the base. Et une palette Colourpop. Elle est trop magnifique. Un petit lot comme ça de chez Filorga. Elle est pourrie gâtée, notre Lily. Plus que ça, même. Attends, je vais chercher le colis. Ah bah, j'ai donné le lien. Ma tête, quoi.
J'ai donné le lien de ta wishlist. Après, je sais pas ce qu'elle a fait avec, ah, mais j'ai donné le lien. Mais non, mais sans déconner. Elle est pleurée. Elle sera plus grosse. Il faudra la refaire. Sur la route, elle disait qu'elle avait pas grand chose. Ah ouais, hier, elle me disait à côté de vous, j'ai rien. C'est bon, voilà. Elle va nous rattraper. Là, je vous montre. Elle est belle. Hein, elle est trop belle, là, je la montre. Ouais. Chez Colourpop, elle est magnifique. Et le rose là, peau. Ouais. Alors, on vous montre le final parce que j'avais plus de batterie. Et au final, elle a eu trop de choses. Elle a été pourri gâtée, notre petite Lily. Donc, une tasse, un kit Lancôme, c'est ça? Lancôme, des produits The Ordinary, un cadeau pour son fils, les palettes que Ella a testées d'ailleurs sur sa chaîne de chez Action, palette BH Cosmétiques, palette Catrice, le kit de chez Jessup, moi je vous dis. Jessup, le kit de pinceau là d'ailleurs qui me fait très envie. Une banana dream, un énorme miroir Jeffree Star. Donc elle fait partie de la team. Moi c'est pas Jeffree Star mais c'est Too Faced. Et mais c'est offert aussi par Ella. T'as aussi dans les voix. Ta ta. Et c'est vrai qu'il est beau en rose comme ça. Moi je suis pas fan de Jeffree Star mais là. Plaisir. Là il est beau. Elle a eu du Milani, du Wet n Wild, du c'est quoi ça déjà c'est. Beauty Blender, du Creux de Vatte. Et là, plein de merveilles, là, voilà. Elle a été pourri gâtée. Bon, t'es heureuse, notre petite Lily, là? Je suis pas bien, je vais tomber dans les pommes. La pauvre, elle en tremble et tout, quoi. Bon, et maintenant, on va aller en mode shopping, les filles? Oui! Moi, j'ai plus rien acheté. Là, elle a plus rien acheté, elle a tout eu. Tout était sur sa wishlist, là, c'est foutu. Non, mais elle trouvera bien une. Puisque ma wishlist, une babiole, hein. Elle trouvera bien une babiole à prendre, hein, en Belgique. Lily en plein fouillage. Oh, mais c'est trop bien, Lily. J'adore les cerises. Qu'est-ce que t'as trouvé, les boules de bain de banane? Je sais pas ce que tu vas faire avec, c'est vrai. T'aimes bien les bijoux, toi aussi? En mode. On fait du shopping. Regardez, c'est fou. Oh! C'est trop mignon! Tu prends ça? Le barbecue? Non! Ah. Non, non. C'est beau, mais voilà. Faut arrêter, hein. Faut pas abuser, hein. Regardez les caddies bien remplis, là. Ouais, mais on est deux, là. Ah! C'est moi et Emma. À la fin? Pas déjà chez nous. Ah ben, vous avez aussi des choses qu'on n'a pas ici. Hein. Mais moi, je les ai goûtées, j'aime moins. C'est quoi? Ah, c'est ceux-là que je n'ai pas goûté, je vous trouve. Ceux-là. Il n'y a pas en France encore ceux-là. Non. C'est la marque Hershey's. Là. Et ça, c'est un autre coco. C'est Reese's et beurre de cacahuète. C'est chocolat noir en fait. Ah, je ne sais pas si c'est chocolat noir. Chocolat. On se retrouve dans la pièce de. Ella! Vous savez, cette pièce magique, à chaque fois qu'on vient chez Ella, de toute façon, on est obligé d'aller faire un tour dans cette pièce. On fouine, on regarde ses dernières nouveautés, ses futurs hauls, ses futurs crash tests. On teste tout, on zioute, on fait des repérages pour nos futurs achats. Du coup, en fait, on est en mode. Là, on est quatre tentatrices. Quatre quoi? Comment on peut dire? Quatre moutons aussi, parce que on s'auto-suit. En boucaneuse, comme l'expression du sud, en boucaneuse. Donc voilà, et voilà, ben, on va pas tarder à t'abandonner, ma petite Ella. Je suis triste. Parce qu'il se fait tard, il est quelle heure? Attends, je sais pas, je suis au téléphone. 22h20. 22h20. Ah, vous avez entendu? 22h20. Donc, on va pas tarder à y aller. On a bien profité. Je vous montrerai peut-être demain nos petits achats. Et là, vous retrouverez bien sûr, je pense, ça un jour. Parmi toutes ces vidéos haul qui arrivent. C'est pas terminé, les hauls. Là, sur sa chaîne, vous allez avoir unboxing, haul unboxing, crash test. Des vidéos pour toute la vie, pardon. Et est-ce que Emma, tu vas faire un haul aussi? Oui. Oh oui. On a été chez Di, Crudvat, Rituals. Action. Paris XL. Ah oui, on n'a pas dit, mais en fait, ça nous a un peu saoulé, quand même, faut le dire. Trop saoulé. Un peu beaucoup saoulé, c'est qu'en Belgique, là, ils ont des nouvelles directives et on n'a pas le droit de rentrer quand on est en groupe. On doit rentrer une par une. Donc, en mode shopping entre copines, déjà, c'est compliqué. Et une par une et 1,50 m de distance. Donc, ça, je peux comprendre. Mais comme on était déjà un groupe,
pourquoi nous mettre à 1 mètre de distance alors que quand on sort du magasin on n'est plus à 1 mètre de distance. Moi je comprends pas le concept, mais bon. Et une par une, genre le reste du groupe attendait là-bas dehors et il y en a une qui vient faire son shopping, tu vois, une par une. Déjà il y en a pour une heure si on fait tout ça. Non, mais c'était n'importe quoi. Donc il y a des magasins, on a lâché l'affaire. Aussi, hein. Et elles nous ont dit ça, ouais, d'une façon pas terrible, et du coup on a lâché l'affaire pour certains magasins. En fait, ils ont une amende. Donc les vendeurs, donc les magasins, 700 euros pour la distanciation sociale. Hein. De 1m50, pas que le masque. Qui s'est pas vraiment respecté parce qu'apparemment ils ont eu la police qui est passée. Et s'ils ne respectaient pas, bah, amende 250 euros pour les clients et 700 euros pour l'enseigne. Quoi. Bah ouais, mais j'avoue que là. Alors le pire, je crois, qui m'a refroidi, c'est quand la dame de Paris XL nous a dit: vous touchez pas! Rien ah acheté. Oui, donc. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait? Comment tu veux acheter si tu peux pas regarder? Juste. On n'a pas ouvert, même pas touché. Bah, qu'il fasse. Genre, même magasin, juste prendre comme ça pour voir. Elle était en marge, elle ouvrir, et c'est là qu'elle a crié: ne touchez pas! Oui! Ah bon? Mais parce que je croyais que t'allais juste le prendre comme ça, et genre, même le prendre, t'as pas le droit. J'allais l'ouvrir pour regarder l'intérieur. Ça fait peur, hein. Moi, j'ai touché 2 secondes avant, là. Donc, ouais, c'est parce que toi, elle a vu que t'allais ouvrir, c'est ta faute! Je t'en ai fait engueuler. Bon, bref, c'était quand même une bonne journée. On s'est bien amusé, on était toutes ensemble, on s'est emboucanés. C'était la fête, ils nous ont rien dit, on était tranquillou. Faut de vacle, parce que les gars, ils étaient motivés, ils étaient ouverts. Trop bien. Comme tu prenais ton panier. D'ailleurs, chez Croix de Vacle, le mec de la caisse, il avait pas son masque. Hein. Ah oui, c'est il l'avait baissé. Je vous retrouve le lendemain, puisque nous sommes partis. 4h du matin, je crois, je sais plus, 4h on est rentré, il était 5h, on est parti à 3h30, on est rentré à 5h ici, parce qu'il y a à peu près 1h45 de route quand même, puis le GPS il était pas sympa avec moi, il avait décidé de me faire passer par des petites routes, bon bref, donc on est bien arrivé à Montport, tout va bien, on a dormi que 4-5h, on est KO, et j'avais envie de vous montrer quand même les petites trouvailles qu'on avait faites, et les petites trouvailles d'Ella, parce que avant qu'on arrive en Belgique, elle m'avait trouvé des petits trucs, un peu comme dans le swap le swap surprise de Lily, mais moi, elle m'a trouvé des petits trucs, donc je voulais vous les montrer. Elle a mis ça dans une jolie boîte et sa fille, elle les a décorés, c'est trop mignon. Et elle a trouvé des vraies merveilles, donc je vais vous les montrer. Je vais vous montrer aussi peut-être les petites trouvailles qu'on a faites en Belgique et à Lille, on a fait 2-3 trouvailles aussi. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais essayer d'aller vite. Parce que je suis fatiguée et qu'il faut être efficace. Hein. Dans la boîte d'Ella, on a la petite fameuse brume glitter qui était chez Croix de Vacle et elle l'a testée, Lily, ça avait l'air vraiment pas mal. C'est un peu une gelée, en même temps ça sent bon, en même temps il y a des paillettes un peu holographiques, ça a l'air pas mal du tout. Un petit scrub, d'ailleurs je ne l'ai pas testé, je te l'avais offert à toi, mais moi je ne l'ai pas testé, coconut et sel, sea salt, ouais, sel de mer, ça a l'air trop bien. Enfin, et là elle fait toujours des trouvailles de dingue. Ça je l'ai repris, mais elle me l'avait donc mis dans la petite box. Mais je l'ai repris parce que je sais que ma fille, elle va le finir, donc comme ça on en aura un deuxième. Elle a trouvé ça, mais nous on les a pas vus quand on a été, du coup il y avait déjà plus rien. Sungasm, c'est un peu un jeu de mots avec Nars, je pense, de chez Catrice. Regardez cette merveille, je sais pas si on voit bien, mais c'est donc un highlighter. Il n'y a pas de, alors c'est pour le visage et le corps, c'est pour ça qu'ils sont gigantesques. Toujours de la même gamme de chez Catrice, Sungasm. Là il y a le bronzer lumineux, la teinte 01 je crois, ouais, C01. Il a l'air trop beau aussi. Ça, j'ai hâte de tester. Je pense que je vais les mettre direct dans ma salle de bain. Je suis pas maquillée aujourd'hui, vous en doutez bien, après avoir 5 heures de sommeil. Même pas. J'ai pas fait l'effort. Après, elle a trouvé de chez Essence un blush. En plus, c'est un trop beau pêche foncé. C'est le 03 Bright Talking. Il est trop beau. Et là, elle fait quand même des merveilles. T'as vu, hein? Lily, elle peut vous confirmer qu'elle a fait des merveilles. Ah oui, c'est la queen. C'est la queen des bonnes affaires. Elle a l'œil comme ça. Des fois, elle allait avant nous dans le rayon, elle disait: il reste pas palette, qui la prend? Genre, c'était une vraie vendeuse, quoi, Ella. C'est une vraie vendeuse. Elle pourrait travailler pour les magasins, je te jure. Du coup, elle a trouvé aussi de la marque Rude. Moi, j'adore, j'ai pris plein de trucs de chez Rude. C'est un crayon pour les lèvres. Et d'ailleurs, vous avez le crayon et à côté, de l'autre côté, vous avez une sorte de pinceau. C'est une teinte nude parfaite. Vieux rose nude, il est trop beau. Elle a 2 rouges à lèvres, elle m'a trouvé le Stay Matte de chez Essence, un matte de chez Essence et un matte de chez Catrice, comme ça, des couleurs parfaites encore une fois. Et à chaque fois, elle me fait découvrir des pépites de chez Essence et Catrice parce que malgré tout, même si j'ai un Auchan ici, je trouve pas tout ça. De la marque Essence, il y a une nouvelle gamme qui s'appelle Honey, My Honey, donc à base de miel et, enfin, effet miel,
un peu dans le style Urban Decay. Et du coup, ils ont fait un pinceau comme ça, donc elle l'a trouvé pour moi. Et Lily, qui est derrière moi, là, derrière vous, elle a acheté la petite palette aussi, une petite palette avec des petites couleurs un peu gold et tout, c'est ça, hein? Ouais. Ça a l'air sympa. Et Emma, elle, elle a eu la poudre de cette gamme-là. Donc, il y avait toute une gamme au nez, mais moi, je ne l'ai pas vu passer, cette gamme. Les nouveautés essence, moi, je ne vois rien passer du tout. Et elle nous a trouvé des petites boîtes comme ça, chacune une, à des petits cookies. C'est trop mignon, la petite boîte. Donc, ouais. De chez Kruidvat. Et la folle dingue de Ella, elle a réussi à trouver ça, de chez Estée Lauder, un soin hydratant. Voilà. Elle m'a pourri gâté un soin hydratant avec une crème et le soin teinté. J'avais même pas vu hier. Le soin teinté. Trop bien. Une crème hydratante, ça je sais que c'est très très bien pour l'été, donc je pense que je vais la ouvrir très prochainement. Et voilà pour mes petites trouvailles, enfin mes petits cadeaux, les trouvailles d'Ella. Lily aussi, elle m'a gâté, elle m'a offert des cochonneries du sud de la France, des calissons d'Aix et des navettes. Donc ça, trop trop bon. Les calissons, c'est pour moi et ma maman. Les navettes, c'est pour les petits, je pense, avec leur chocolat le matin. Ils vont adorer. Donc, d'ailleurs, on a oublié de leur donner, mais on va les ouvrir prochainement. Et elle m'a ramené ça parce qu'elle l'a eu dans la Beautiful Box, mais elle a pas de cheveux bouclés, hein, vous avez remarqué. Donc j'ai utilisé déjà ce matin, c'est de chez Les Secrets de Loli, la gelée. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo routine. Et ça, je l'ai piqué. Elle en voulait pas, mais elle n'allait pas le tester. Donc je l'ai piqué. C'est une lotion tonique apaisante pour le visage à l'eau de coco. Je suis pas une ultra fan de Hello Body, mais elle, elle aime bien certains produits. Et j'avoue que là, j'ai ressenti l'odeur de coco. Et ça m'a donné envie. Donc là, j'ai jamais testé cette lotion tonique, donc trop bien. Et ça, c'est Lily qui me l'a offert. C'est le soin pour les cheveux à la noix de coco. Encore une fois, il paraît qu'il est top. Donc bah, je vous en parlerai prochainement. Chez Sephora, on a trouvé un truc de dingue en solde. Grâce à Lily, j'ai réussi à trouver l'eau de teint de chez Chanel. Je l'ai déjà, elle est quasi terminée. Du coup, je suis trop contente de l'avoir eu à presque moins 50%. Enfin, quasi à moins 50%. Moins 30 plus moins 20. Ouais, moins 30 plus moins 20, ça fait du presque moins 50. Ça fait pas moins 50, mais ça fait du presque moins 50. J'ai eu à 35 euros le 61. Dans le showroom de l'univers de Sophie, j'ai trouvé ces petits bracelets. J'en ai déjà un que j'aime beaucoup, donc j'en ai repris deux. Ils étaient à 8 euros le 10. Bon, ça reste cher pour des bracelets, moi je vous avoue, hein. Mais je les aime bien. Et puis d'ailleurs, cette robe, elle vient du site l'univers de Sophie. Donc elle me met, grâce à elle, je mets des robes. On est passé chez Avril Bio. Et du coup, il y avait quelques soldes. Donc j'ai pris tout à moins 50%. C'est la marque Avae. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est les mêmes produits qu'Avril. C'est la petite sœur d'Avril, voilà. Donc c'est les mêmes produits qu'Avril. Donc j'ai pris le gel nettoyant visage, la lotion tonique. C'est vraiment le genre de produit que j'adore tester. Donc j'ai pris vraiment ce que j'aime tester. Et je sais que je les utilise. Je sais qu'ils ne vont pas rester 20 ans dans mon placard. Et l'huile démaquillante. Donc là, voilà, le petit trio pour une future routine. C'est bio, maintenant Avril. Et quasi 98% naturel, je crois, les produits, hein, si je me souviens bien. 99% d'origine naturelle. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Si ça me plaît pas, au moins j'ai pas perdu beaucoup d'argent parce que je crois que ça revenait à 3 euros, 2 euros. Honnêtement, il y a trop de choses en fait de chez Action et de chez Kruidvat et Dee. Donc je sais pas. Je vous ai montré les petits cadeaux comme ça au moins vous avez vu. Je pense que je ferai une autre vidéo avec tous mes achats Action et Kruidvat et Dee. Et puis tant pis, Lily, je voulais montrer un peu ce qu'elle avait trouvé, mais c'est pas grave. Pas possible. Peut-être elle mettra une petite photo sur son Instagram, allez la rejoindre sur Lily Auré, comme ça bah, peut-être qu'elle mettra quelques photos de ce qu'elle a trouvé en Belgique, ce serait cool, comme ça vous pourrez voir un peu. Et moi je vais vous faire une vidéo séparée parce que sinon cette vidéo va durer 20 ans et c'est j'aime pas ça. J'essaie de réduire mon temps de vidéo pour que ça soit des vidéos un peu potables. Et puis sinon je parlerai trop, étant donné que j'ai dormi que 4 heures, je vais m'épuiser à essayer de me concentrer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, j'espère que vous avez aimé être un petit peu avec nous dans notre journée shopping girl en Belgique, j'espère que ça vous a intéressé. Et je vous tourne le haul juste après, vous l'aurez très prochainement, hein, ne vous inquiétez pas. On like, on soutient comme d'habitude, on met un petit commentaire pour avoir vos petits avis. Je vous retrouve dans ma salle de bain avant de clôturer ce vlog. J'avais des petites choses à vous dire avant de clôturer ce vlog et du coup je me suis dit c'est l'occasion. Comme je vous ai dit, je suis ultra méga fatiguée, mais je voulais quand même vous raconter un tout petit peu cette rencontre avec Lily, parce que peut-être vous vous demandez mais qui c'est Lily, qui c'est, pourquoi Karine elle nous en parle tout le temps. En fait Lily c'est une abonnée à la base, il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais même plus. Elle a gagné un concours sur mon Instagram tout simplement, c'était une abonnée qui revenait régulièrement dans mes commentaires, j'avais reconnu son petit pseudo parce que quand vous me laissez des commentaires sur Insta ou même sur YouTube, à force de voir mon petit pseudo, bah voilà,
je vois un petit peu que vous êtes toujours là et tout. Et du coup, bah, on avait papoté et elle avait gagné par hasard un concours sur mon Insta. Et j'allais à Marseille 2 semaines après, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et quand elle m'avait donné son adresse pour lui envoyer le lot du concours, j'ai vu qu'elle était de Marseille. Donc je lui ai dit, bah écoute, je vais à Marseille dans pas longtemps. Est-ce que ça te dit qu'on se croise quelque part et que je te donne ton lot comme ça? Bah, ce sera l'occasion de se voir et puis bah, de te donner ton lot directement, éviter la poste et tout ça. Et elle a dit oui, et on s'est rencontrés du coup à Marseille, aux terrasses du port, et ben voilà, on a papoté, et puis après on a continué à papoter en message privé, on s'est revus, à chaque fois que je reviens à Marseille, je lui dis, et on s'est revus, et puis voilà, une jolie amitié est née. Donc je voulais vous le dire parce que je trouve que c'est trop mignon. Avec YouTube, on rencontre d'autres youtubeuses comme Ella, Emma, mais on rencontre aussi des super abonnés, et ça m'arrive souvent, mais c'est vrai qu'avec Lily, c'était notre petit coup de cœur. On était quand même à l'autre bout chacune de la France et on continue tout le temps à s'envoyer des petits messages. Et j'étais juste trop, trop, trop touchée qu'elle décide de venir dans le Nord, quoi. Bien sûr, elle était la bienvenue, hein, je lui avais dit qu'il n'y avait pas de problème et tout ça. Mais voilà, elle a décidé de venir dans le Nord, on l'a accueillie, ça m'a fait trop plaisir. Donc vraiment, encore une fois, maintenant que je l'ai déposée à la gare, je lui dis aussi à travers la vidéo... Merci ma petite Lily d'être venue jusqu'à nous, d'avoir parcouru tout ce petit chemin avec nous, de t'être amusée avec nous. Voilà, ça fait trop 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 plaisir cette relation qu'on arrive à construire grâce à la base à YouTube. Donc voilà, je voulais vous partager la petite anecdote. Vous me retrouvez donc maintenant dans ma salle de bain. Oui, je dégouline, il fait 42 degrés. La pauvre Lily, elle est venue de Marseille, elle m'a dit est-ce qu'il va faire un peu plus frais dans le Nord ? No way, là c'était le week-end de 40 degrés, la pauvre quoi, bon il faisait peut-être un peu moins chaud, je sais pas, mais vraiment là on a eu le week-end de dingue, on va pas se plaindre, il fait chaud, mais il fait trop chaud, hein. Je suis en âge. Je vais vous laisser avant de clôturer ce vlog avec la Dégustavox puisque je l'ai reçue il y a quelques jours et j'ai pas eu le temps de faire une vidéo ni de la mettre dans mon big unboxing parce que bah, cette vidéo déjà elle durait déjà 35 minutes, je vous la remettrai dans le petit, le unboxing. Mais je vous la mets là, c'est pour celles qui sont intéressées pour la Dégustabox. Voilà, n'hésitez pas à regarder, elle est très sympa, j'ai beaucoup aimé le thème de cette Dégustabox, un peu estival, c'est top. Avec des produits encore une fois made in France et tout. Donc comme d'habitude, le lien de ma Dégustabox est en barre d'infos et vous avez 5€ de réduction avec mon code. Mais vraiment j'aime beaucoup la box de ce mois d'août. Donc je voulais vous le partager avec vous dans ce petit vlog et je vais vous abandonner juste après. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce vlog, dites-moi ce que vous en pensez de cette Dégustabox, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Mais comme je l'ai dit, c'était vraiment un coup de cœur. C'était vraiment le petit week-end YouTube, on a papoté YouTube toutes les quatre entre gonzesses, on a fait du shopping, on a papoté beauté, enfin voilà. Le petit truc qui ressource, qui fait tellement, tellement plaisir.
j'avais envie de partager ça avec vous dans un vlog, donc je suis contente. En plus, vous avez eu une sorte de swap, une petite ouverture de code, de cadeau et tout, donc c'était un petit tout. Donc j'espère vraiment de tout cœur que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller découvrir la chaîne de Ella si vous ne la connaissez pas, le Instagram de Lily si vous ne la connaissez pas aussi. Maintenant, vous voyez un petit peu la fille qui se cache derrière son Instagram, et la chaîne YouTube de Emma aussi. Comme ça, vous allez découvrir les copines. Voilà, c'est juste du bonheur. Je vous fais des gros bisous. On like surtout, et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.